Et salut à tous, c'est Cross, on se retrouve donc sur Stellar Overload, et en montant la montagne dont je vous ai parlé, donc c'est quitté, c'est vers là-bas, ça a chargé, j'ai trouvé une structure inconnue encore, hein, n'est-ce pas? Ouh. Structure inconnue, avec des cogs, donc on va les tuer. Voilà, tranquillement, hop, et on va voir ce qu'il y a dans cette structure, est-ce que je peux la creuser? Oh, attends, c'est quoi? De l'acier rouillé? Mais attendez, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis passé depuis le début? Expliquez-moi. Kit, et c'est une qui très bien. Alliage titane. Pourquoi est-ce que je ne récolte pas ça depuis le début? Mais oui, il y a plein d'acier rouillé là, j'en fais rien en fait. Alors que je pourrais en faire des trucs de dingue là. Alliage, c'est l'alliage de niveau T2 ça. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je. Depuis le début, de l'acier rouillé que je peux récolter sous les yeux et je n'en fais rien. On va récolter tout ça vite fait. Non. Fils, ça, on va récolter tout ça. Hein. Et on va se faire tout de suite des trucs extraordinaires avec tout cet acier. Du coup, non, l'acier rouillé, attendez. L'acier rouillé, il y en a plein là depuis tout à l'heure et depuis le début là, vous pouvez pas me le dire. Ah là 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 là. Ok, donc je pense que là on a quand même un certain nombre conséquent. Ah oui, moi j'avais pas fait gaffe qu'il y avait tout ça. Que je pouvais le récolter en fait. J'avais pas pu récolter les structures. Moi j'étais en plein RP là, genre en mode. Je récolte pas. Je suis attaqué moi. Moi je suis attaqué. Ouais, c'est mort. Donc là par exemple, je vais mettre à côté la boîte aussi. Là par exemple, j'en ai combien de la cirouillée? La cirouillée, il est où? 10 000. Donc c'est, je pense, plutôt suffisant pour faire pas mal de trucs. L'acier, j'en avais des centaines et je galère un petit peu. Donc maintenant, je vais vous montrer tranquillement comment on s'envole dans l'espace. Oh, je vais pousser des protéines de professeur dans ça. J'ai déjà vu. Donc, les nuages sont encore solides, hein, sont pas encore... sont pas transparents. On peut pas les traverser en fait. Ils sont solides, donc techniquement, pendant que là on a une super belle vue sur d'autres planètes, surtout la Lune, j'aimerais atteindre. Normalement, si on trouve une assez grande montagne juste en dessous de la Lune, on va pouvoir monter sur les nuages. Donc, ça, je ferai ça à la fin par contre, parce que je pourrais pas revenir. Donc, je ferai ça vraiment à la fin. Monter sur les nuages grâce au jetpack en fait. Vous voyez, je vais vous montrer par exemple comment je vais faire par exemple, ici. Ici, par exemple, on va voir. Si, on va monter là-dessus. Et par exemple là, j'ai possibilité donc de monter sur le nuage normalement, si je me rate pas. Voilà, comme ceci. Et certains groupes de nuages vont vraiment très haut. Par exemple celui-là, je pense, si on arrive à y aller, via donc tout cela là, en montant à chaque fois de nuage en nuage. Je suis pas à côté du nuage. Je suis pas à côté du nuage, je suis pas à côté du nuage. Hop. Et si j'arrive à y aller, j'arriverai à aller tout en haut là, hop. C'est bon, je sais pas, pourquoi je sais pas. Eh bien, je pourrais après me propulser grâce au jetpack dans l'espace. Et sauf que dans l'espace, vu qu'il n'y a pas de gravité, on va en ligne droite. On ne peut pas se déplacer dans l'espace. Je sais pas si on meurt d'ailleurs en mode histoire. Mais voilà, donc je pourrais me déplacer juste vers le haut. Donc il faudrait qu'on soit juste en dessous de la Lune. Et une fois arrivé dans la Lune, par contre, il faudrait que je fasse gaffe à pas mourir. En me pro. D'ailleurs, je pourrais peut-être revenir en mourant. Je pourrais le faire peut-être un jour. Mais il faudra faire attention parce que vous voyez, j'arriverai à une vitesse assez conséquente et il faudra juste essayer de pas arriver trop fort avec le jetpack quoi. Pourquoi je suis bougé? Voilà. Et donc il faudra faire attention à ça. Un peu pendant que je redescends, en cherchant des coques rouges, ce serait cool. Je vais faire attention. Ça charge bizarrement en fait les montagnes, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils mettent vraiment longtemps à charger. Comparé aux autres décors, je tombais où là? Là c'est une grotte, ok très bien. Une grotte qu'on n'avait pas vue, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais tomber à travers la planète. Donc, là-bas il y a un coq rouge.
en espérant trouver le gantelet de minage de niveau 3 pour choper des cox de niveau 3 et donc les tuer au cactus. Lumi bloc blanc, mais je l'ai déjà lumi bloc. Ah bah j'ai des cogs. Je vais me demander c'est quoi ce minerai. Est-ce qu'il y a des cogs par ici s'il vous plaît? Des arculides, il faut que j'arrête d'appeler les arculides les cogs parce que ce n'est pas des cogs. Ce sont pas des cogs nitrons, ce sont des arculides, des arcs on les appelle. Pour aller plus vite, hop, là, s'il te plaît. Cobalt, mais je m'en fous du cobalt. Ah, leur secret, ici sont maîtres. Là bah il y en a un autre. Des arcs ici. Oui, oui. Un jour on ira au pôle nord aussi. Oh là, toi tu sers à rien toi. D'accord, c'est carrément. Là, il y en a un autre. Oh là là, mais c'est là, c'est là. Bon, de l'arnaque. Là, je crois que le nuage est carrément collé, si je ne m'abuse. Oh. Ouais, je confirme. Du coup, on va continuer à avancer. Tac, 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 on s'en fout. Ouais, je confirme. Le nuage est vraiment collé à la montagne, carrément. Hop, tu vois ce que t'as quelque chose d'intéressant à me dire ou pas? Sûr, le VB1 n'est pas assez précis ni puissant pour un vrai combat, mais le tout nouveau VV3, grande portée des projectiles plus dangereux, mieux. Quand j'ai une mission, tu vas bien que vous pouvez utiliser des actions secondaires pour récupérer les blocs fragiles du sol, comme la roche ou la terre. Non, non, les fantastiques qualités du merveilleux lance-bloc V3 n'ont absolument rien à voir avec le fait que j'ai personnellement participé à son développement. Ok. Maintenant qu'on redescend tranquillement vers le camp rock. Wouhou! Descendre les montagnes du coup avec le jetpack, c'est vraiment génial. Tac 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 tac. Ok, là il y a du bois. Y a rien. Regardez, c'est beau n'empêche, c'est sympathique le paysage. Voilà, on va s'envoler un peu comme ça pour aller plus vite. Faut juste savoir amortir les chutes en fait avec le jetpack. Et puis c'est bon. Mais par exemple, j'ai mal amorti les chutes. J'ai pas qu'il était pas chargé en fond, j'ai oublié. Juste voir c'est quoi ces structures, c'est des pierres. Là, une structure inconnue, j'ai pas visité encore. Il y en a beaucoup, c'est ça qui est bien, c'est pareil sur des donjons un petit peu. Ouh, on va ralentir tranquillement. Voilà, là il y a un joli arbre, on va attendre que ça charge avant d'y aller bien sûr. Ok, ça a chargé. Alors on y va, on va tuer le petit cox qui est là-bas. Ok, là il y en a plein. Hop, là on a un cox. C'est un petit chou, très bien, ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'or, le fût, ah, une fibre de carbone, génial. Voilà. On va profiter pour prendre un peu de métal rouillé. Sinon, pourquoi venir ici? Structure inutile là. Là, c'est une limite en fait. Donc il n'y a pas de T3 ici, donc je m'en fous. Il peut vraiment du T3 en fait, hein, c'est ça le truc. Non, aucun T3. Parce qu'ils me disent pas que certains blocs sont trop durs pour être munis, du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de T3. Enfin pour moi, en tout cas, d'après la logique des choses. Samsonic V1, ah très bien, super. Toi t'es nul, toi t'es rien. Alors toi je t'ai beaucoup aimé.
Ok, j'en fous. On va pouvoir retourner au camp proc du coup, mais c'est quoi, c'est un fluide ça? Par contre, si je cherche pas la map, ça va pas être cool en fait. C'est là qu'il faut chercher. Ah oui, ils sont cachés les salauds. Cachés dessous, comment ça se passe? Ok, ça décharge, ça charge, c'est bizarre. Ouais, non, c'est chelou là, ça commence à faire bizarre le jeu au bout d'un certain temps. Comme le prototype, au bout d'un certain temps de jeu, il commençait un peu à bugger. Nanotube de silicium, on fou. Clairement, on n'a rien à faire des tubes de silicium. Là-bas, le dernier avant de rentrer au camp proc et finir cet épisode. J'ai beaucoup de métal rouillé, je pourrais faire beaucoup de munitions et tout. Fibre de plastique, je m'en fous aussi. Ah bah tiens, il y en a d'autres sur le chemin. C'est très bien. On va voir ce qu'il dit, lui. Polymère synthétique, on s'en fout aussi. Je crois qu'on l'a déjà vu. Pendant que ça ne charge pas. Lance-bloc V3. Ah, ça c'est intéressant ça. Lance-bloc V3. J'en ai déjà parlé par contre. Ouais. On a déjà parlé. Ok. Un lance-bloc V3. Ça c'est cool. Pas plus le gantelet minage V3 que le lance-bloc. Mais bon. Mais est-ce qu'il peut du coup miner le lance-bloc? Parce que le lance-bloc peut miner. Mais est-ce que par exemple le V3 peut miner du tier 3? Ah ah. C'est la grande question. Et pendant que ça ne charge pas, encore une fois. Ça commence vraiment à être un peu relou. Je vais peut-être quitter et revenir sur la partie au prochain épisode. Parce que là, c'est vraiment insupportable en fait. Il n'y a de rien, c'est rien ça. Comment voulez-vous qu'on se retrouve? Il me semble qu'il est encore de l'entrée. Voilà. Il y a le feu ici. Il y a les escaliers pas loin. Ils sont où? Alors moi, je me dirige au. En caisse bloc, hein. Je fais chier. J'ai vu les escaliers. Ah, là. Hop, après on descend ici. Non. Ah, il a chargé. Ok, après je sais pas du tout. Ok, c'est pour ça. Hop, ici. On va descendre. On va déposer tous ces minerais. Oups. Alors ici, on a des trucs à déposer avant, je crois. Ah oui, j'ai beaucoup de munitions, hein. Beaucoup beaucoup de munitions, du coup j'en ai déposé plein. Granit blanc, alors question avant ça, c'est est-ce que du coup je peux faire d'autres trucs? Armes. J'ai le lance-bloc V3, donc j'ai du tier 2 d'alliage, est-ce que j'ai du tier 2 de polymère rouge, je dois en avoir du coup. C'est quoi ça du coup, c'est du tier 2 nul. Et il faut du tier 2 de gemme, donc l'amazonite, le corail, tout ça il m'en faut. 250 et 75 de polymère. Donc du coup, polymère, j'en ai du tout, non, fibre de carbone, je l'ai récolté tout à l'heure. Lion polymère. Herbe, oxys, polymère. Et nanite, du coup je vais déposer. Nanite. Terre noir, charbon, étain, terre rouge, UV1, conteneur. Acier rouillé. Prendre bien. Le pétrole si je vais le prendre. Le plomb. Là, polymère naturel, j'en ai beaucoup. Et il me faut du tier 2. Ah, un tiers 2 de polymère, attendez, est-ce que j'ai du tiers 2 de polymère? Ça, les vraies questions. Plastique, il faut du plastique et pas du polymère naturel, lui. Nuage plastique, il est où? Il est là, le plastique. Est-ce que j'ai à côté d'ailleurs du pétrole brut? Oui, je veux faire du plastique. Hop, métaux, alliage, matériaux, plastique. Je suis pas sûr d'en avoir assez du coup, j'en ai combien? Du plastique, 73, il m'en faut 75, je crois. Et c'est là que tu pleures. Je pleure! Charbon, est-ce qu'il n'y a pas de moyen de faire du plastique que du pétrole? Pétrole brut. Ouais, non, il faut du pétrole brut. Hein. Moi j'avais pas fait de la fibre de plastique. Plastique, et ouais. Plastique, il me faut du plastique, du coup j'en ai, il me faut du polymère et j'avais fait de la fibre de plastique que j'aurais pas dû en fait. Plastique, nuage, gypse. Et donc je pleure. Mais j'ai déchargé la recette du
carabine sonique, donc il me faut du gaz. Est-ce que j'ai du gaz? Alors moi j'ai du gaz qui est là. Gaz, mais j'ai du gaz T1 moi, comment j'ai du gaz T2? Ça, avec quoi? La roche? Avec quoi? La roche? Charbon et tout ça? D'abord du coup non? Granit, truc à la con, quelque chose, gris rouge, ça marche pas? Charbon, granit blanc, oui granit. J'en ai du granit, j'en ai plein. Cuivre, terre rouge, terre ocre, schiste, charbon, étain, granit naturel. J'en ai plein. Oup. Ah mais non, j'en ai beaucoup. Hein. Granit blanc, ok, j'en ai pas beaucoup. Hop, on va poser du coup. Du coup, est-ce que je peux le faire? Hop. J'en ai 12. Oh, j'en ai largement assez. Et il me faut une nanite de T2. Ça, j'en ai plein par contre. Nanite T2. Hop. Et on va refaire un pistolet sonique. Ah. Wouh. Pistolet. Carabine sonique. V1. Ouais. Bon, que ça. On va pouvoir pound du truc. Et du T2, du coup, je ne connais pas du tout. On va poser donc toutes ces merdes. Allez, on va prendre ça. On va le poser là. Hop, on va poser tout ce qui est ancien. Truc comme ça, ici. Hop. Donc, ça on va le poser plus, j'en ai plus besoin. Et tout ça du coup. On va poser les arculoïdes. On va poser les nanites du coup, au passage. Le lance-bloc, on va le mettre là. Ça, on ne comprend pas. On va poser. Cache de gaz, du coup j'en ai besoin de plein. Est-ce que je peux en faire? Il faut quoi? Du gaz T2. De l'acier rouillé, je comprends pas du coup. On va faire 15 x 5 du coup. Il faut du gaz T2 surtout, qui est chiant à avoir en fait. Mince! Tac, on va déposer aussi. Donc là on va déposer des trucs. On va déposer là. L'acier rouillé, on va déposer là. Un peu de carbone ici. Minerai de fer, on va déposer. Là, minerai de cobalt, terre noire, on va déposer là, le calcaire aussi, le minerai de cuivre, on va déposer là, terre ocre, terre rouge, le plastique, on va déposer là, le nuage ici, le gypse, la terre brune, le minerai d'or ici, le grès rouge ici, l'herbe de prairie ici, blablabla, ici on va déposer du coup le conteneur. La terre ocre ici, la viande, on va le garder, ça on va le garder, le gris rouge ici, ah non c'est mes munitions. Donc là, qu'est-ce qu'il faut lui? Il faut de la terre rouge s'il faut, pourquoi est-ce qu'il dit non? Terre brune? D'accord, il crache de la terre brune, ok d'accord, on peut pas. Ok. Donc quand il crache la terre brune du coup, et il fait beaucoup plus de dommages que l'ancien. Bien ça, hein, j'ai le V2 ou le V3 là? Ah, j'ai pas le V3, je compte que je fais le V3. Si, je fais le V3. Non, j'ai pas fait le V3 du coup. Je suis bête. J'ai toujours le V2, j'ai rien dit. Le V3 du coup, il me faudra surtout du plastique, d'autres plastiques, et après le reste, j'en ai 250 gemmes bleues, j'en ai. Couleur bleue là. Amazonite, j'en ai combien? J'en ai 36. Du cobalt, corallinaline, je n'ai pas besoin de. Du pyrido, je n'en ai pas beaucoup en fait. Faudrait pouvoir les mélanger en fait. Du jade et tout ça. Là, ça va pouvoir mélanger. Est-ce que j'ai pas tout de polymère de T2 là? Polymère, matériau. Polymère synthétique. Polymère naturel, synthétique, c'est du côté combien du coup? T2? Mais du gaz et. Des nanotubes de carbone, vert et du plastique. Donc ça va être du T3, raté épique. Ah oui, carrément. Alliage, une cure de l'électrum, de l'or et de l'argent. Ah, ok. Et ici, du coup, il faudra juste des capsules de gaz. J'en ai pris combien? J'en ai 125, j'en ai pas beaucoup en fait. Ça spam vraiment, petite merde. Il faut du gaz. Comment ça se fait du gaz? Charbon, granit, naturel, schiste argileux, diorite, marbre, obsidienne. Oh, l'obsidienne. Charbon, je n'ai pas beaucoup de charbon.
plomb, acier, charbon, 50, étain, nuage, capsule, ça on va les mettre comme du coup, calcaire, aluminium, fer, plastique, argile, granit blanc, pas beaucoup, petite de cage en élan, herbe de prairie, sable, gypse, charbon de bois, eau, grès jaune, terre rouge, gris rouge, grès jaune, terre noire, nanite, nanite, du coup nanite, on va les prendre pour les poser dans l'autre corps ici. Là, c'est ça que je veux manger. D'accord, je vais mettre du granit blanc. Non, je mets 2000. Donc, je vais en faire plein du gaz. Voilà. D'accord, je vais mettre aussi du grès jaune. Non, non, je vais pas du grès, du granit. Granit, du gaz, charbon, ça je vais mettre. Charbon de bois, je peux pas. Granit, schisterie. Ok, donc on va tout poser. Gaz, grès, grès, charbon, charbon, granit. Donc là, normalement, si je prends mon fer rouillé qui est où ? Fer rouillé. Ah, c'est rouillé, pardon. Hop. Je peux faire beaucoup de trucs. Wouh, 1000. Ok. Est-ce que j'ai pas encore du gaz là? J'ai du T1. J'ai que du T1 le gaz. Ok. Donc on va pouvoir déposer la serrouillée. Ça aussi parce qu'on fout, ça et ça. Et ça. Et on va pouvoir partir à l'aventure, donc avec inventaire, ça ici plutôt, qui se fait donc comme ça. Wouh! Ah, ça consomme 5 capsules de gaz! Et ça une, ok, clic droit, ça consomme 5 capsules de gaz, ça fait plus de dégâts apparemment. Ok, bon, on va se quitter là pour cet épisode, on a réussi à faire le truc Sonic qu'on a débloqué, voilà, dernier moment. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde!